Dans cette vidéo, je vais te montrer aujourd'hui comment tu vas créer une dynamique dans ton clip. Donc par exemple, quand il y a un petit scénario, donc en général, des fois quand tu vas avoir un petit scénario, tu vas avoir des figurants qui vont venir, qui ne sont pas spécialement des acteurs, donc ils ne jouent pas super bien. Mais je vais te montrer en montage comment tu peux faire pour qu'il y ait de la dynamique en fait dans le jeu d'acteur, comment tu vas trouver des petits bouts par-ci par-là et comment tu vas créer une dynamique avec ton montage et avec des acteurs qui ne savent pas super bien jouer. Et donc c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors du coup sur ce clip, donc c'est un clip que j'ai tourné il n'y a pas très longtemps, qui se passe dans une villa, et il y a un petit scénario en fait que l'artiste avait, où en fait il y a des gens qui viennent braquer en fait chez lui avec des cagoules, et en gros ce qui se passe c'est qu'à un moment donné il tombe dans les pommes parce qu'on lui tape un coup de marteau, et en gros il se relève, et donc après il allume les gars qui sont venus braquer. Alors en gros, comme les personnes qui sont dedans, c'est pas vraiment des comédiens, on va voir comment on peut dynamiser en fait certaines petites parties de jeu, vu que les personnes sont pas trop, enfin voilà, comme ils ont pas trop l'habitude de jouer. Et donc on va voir ça, et surtout en plus quand tu filmes en ralenti, sur certaines scènes, des fois c'est peut-être un peu trop lent, donc il va falloir dynamiser tout ça. Donc là, en fait, le plan qu'il y a, c'est ça. C'est en fait un braqueur qui fume sa clope, et en gros l'artiste il était par terre comme si du coup il a été assommé, et là il va se relever, et donc on va voir dans la partie du jeu. Voilà, donc en fait il arrive derrière, mais le truc c'est que là c'est quand même la petite partie est surjouée, et donc on a moyen de dynamiser tout ça. Et en plus là, la personne savait déjà qu'elle allait être tapée, donc en fait, elle commence déjà à tomber avant d'être tapée. En gros, voilà, en plus, c'est filmé en ralenti. Donc du coup, moi, je l'ai mis dans le clip, et donc, on va voir la partie où c'est dynamisé. Donc voilà, donc là c'est un peu plus dynamique déjà, parce qu'en fait j'ai fait un petit cut. En gros, c'est juste là sur cette partie. Voilà. Donc là il y a une différence entre ça et le jeu réel à la base, où là on sent quand même que il l'accompagne. Et comme je disais encore, la personne cagoulée, elle sait déjà qu'elle va être tapée. Et là, voilà, donc là ça donne vraiment un coup. Donc en gros, on est sur un petit cut ici. Donc là, j'avais un plan large où il se relève. Pareil aussi sur celui-là d'ailleurs, que j'ai là. Alors on va regarder. Pareil sur celui-là, il met un petit peu trop de temps à se relever. Donc voilà, sur celui-là, sur ce plan-là. Donc là, il a mis trop de temps pour se relever. Tac, tac, c'est trop lent. Voilà. Donc non, c'est pas bon. Donc en fait, il faut pouvoir passer comme ça en cut. Voilà. Donc là, tout est dynamique. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre ici. Moi, sur toute la séquence que j'ai, je vais prendre par exemple juste ça et ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'était exactement ça. Donc in, out, on va dire, ici. À peu près. Plutôt là. Tac. Donc c'est exactement ce que j'ai déjà mis en bas. Hein. Tac. Comme ça, on voit à peine se relever. Et ensuite, forcément, ici, directement l'arme. Voilà, c'est tout. Donc là, c'était ça. Tac. Voilà. Donc c'est à peu près ce que j'avais pris déjà directement ici. Voilà. Donc là, c'est exactement ce que j'avais en dessous. Et là, ensuite. Donc là, on a vraiment une dynamique qui passe d'un plan à un autre.
On va couper de cette manière. Donc là, on va prendre juste la partie ici. Alors un peu avant. Va faire in. Voilà. Out. C'est vraiment des petits bouts. Et là, ensuite. Voilà, on prend juste à partir du cou, ici, in, voilà, tac, out. Et donc là, pareil. Voilà. Alors, là, il est un petit peu accompagné, je dirais. Un petit peu plus court encore. Je prendrai directement ici. Voilà. Et là. Voilà. Et donc en fait, plus on prend beaucoup plus bas, plus il y a un écart entre là, et plus le choc, ça va faire comme si c'était beaucoup plus puissant. Donc, voilà. Si par exemple on prend ici, ça va faire un choc beaucoup plus puissant. Et là. Donc là, tac. Voilà. Alors là, on n'a pas le temps de bien voir. Donc pour moi, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait. Voilà, ici. Voilà. Ensuite, ici, vous pouvez rajouter un petit flash à la limite entre les deux. Mais bon, ça va faire un petit peu trop. Vaut mieux rester sur quelque chose de sobre. Donc ça, c'est pour le choc, par exemple. Et là, pareil. Alors là, pareil ici aussi. Donc là, pour le coup, ça va être la même chose. Alors la vraie séquence, c'est celle-là, en gros. Donc là, il ne pouvait pas lui mettre trop un coup trop fort, forcément. Donc tac. Donc il y a mis un petit coup. Voilà. Et donc là, le but, c'est de faire une dynamique comme s'il avait mis un coup fort dans le ventre. Voilà. Donc c'est exactement la même chose. On va prendre ici. Voilà, même un peu avant. Tac. Et là, juste au moment où il bouge, ça se joue vraiment à rien. Quelques images. Non, un petit peu moins même. Tac. Tac. Encore. Voilà, c'est tout. C'est vraiment, 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 c'est vraiment très court. Ça se joue vraiment à rien. Je pense que je suis moins bien que ce que j'avais mis. Ouais, je suis moins bien. Alors, comment j'avais fait? Ok. Alors moi, en fait, j'ai pris là, directement, ici. Et j'ai mis que la frappe. Voilà. C'est vraiment qu'une petite frappe, comme on peut voir en dessous. Voilà. Donc c'est pareil pour ça. Donc vous pouvez tester directement avec des plans. Si vous n'avez pas des plans, vous avez fait un scénario comme ça, vous pouvez faire des tests directement vous de votre côté. Alors ici, j'ai un plan en fait où il braque. Il braque une personne et que en fait subtilement il va le tirer dessus sans qu'on voit directement. Bon, le top, ça serait, si on veut vraiment bien faire, c'est d'avoir une arme à blanc. Éviter, bon, sur un plan ou deux, peut-être sur After Effects, faire un flash qu'on va rajouter sur le gun. Bon, ça peut être pas mal, mais en général, des fois, ça fait un peu fake. Le mieux, ça reste quand même des armes factices à blanc. Donc là, en fait, comme on n'avait pas ça, c'est juste un plan où on imagine qu'il va lui tirer dessus. Voilà. Donc là, on a un plan où il vient braquer, un autre où il tombe, juste la personne, et ensuite juste ça. Donc en gros, on va regarder les plans. Donc là, on a un plan directement où la personne elle est à terre, donc j'ai filmé que les mains, vu qu'il n'y avait pas de sang. Voilà, on imagine. Donc ça peut être, par exemple, vous avez un plan comme ça peut être. Ça peut être juste un visage qui tombe, ça peut être juste un pied, juste une main.
Donc pas besoin de trop en mettre des fois. Là, on a la personne qui donc braque comme ça. Donc ici, plusieurs plans où ça tombe. Alors on va regarder. Voilà, ça, c'est pas trop mal. Là, ça allait, c'était trop lent. Non, là, il s'est trop retenu. Donc, du coup, c'était celui-là que j'avais pris, il me semble. Donc, ça, voilà, c'est celui-là que j'avais pris. Donc, juste la petite partie. Tac, c'est tout. Voilà, on a juste besoin de ça. Et donc, c'est ce que j'ai ajouté. Donc, on fait une petite partie où ça tombe, comme ça, en plan fixe. Une partie où on voit la main ou la tête. Et ensuite, juste une partie où ça braque. Donc j'ai pas sommeil, elle me donne ses formes avant le sommeil. J'ai passé la nuit dans cette mexicaine, ça me fait du bien, j'ai fini la taille. Un billet sur ma tête, donc j'ai pas sommeil, elle me donne ses formes avant le sommeil. J'ai passé la nuit dans cette. Donc ça c'est la deuxième personne, parce qu'ils sont plusieurs dans la part, donc lui il se barre. Et donc voilà, donc vraiment on peut rajouter de la dynamique. Et une autre petite chose aussi, ça va être au niveau de ça. Donc là, ça c'était un petit plan en fait où il met un coup de marteau. Donc d'ailleurs, ça c'est quand ils sont au sol. Donc ça c'est un plan en fait où il est au sol et c'est la vue des personnes qui regardent. Donc l'artiste qui est au sol ici, voilà. Et là, en fait, il se prend un coup de marteau dans la tête. Donc là, pour l'histoire du marteau, en fait, c'est tout simple. Très très simple. Ça s'est toujours fait beaucoup dans le cinéma. Que vous soyez avec une batte de baseball ou autre, en fait, le truc, c'est quoi? C'est de filmer le plan à l'envers. Alors, je vais vous montrer. Là, en fait, en gros, le plan, il a été tourné à l'envers, parce que sinon, c'est trop dangereux si on essaie de le faire, parce qu'on peut vraiment se la prendre dans la tête. Donc là, du coup, on a le plan à l'envers. Et en fait, ça part d'ici et ça recule, comme ça. Donc, en fait, ça part d'ici et ça part en arrière. Voilà. Et du coup, quand on le met à l'envers, ça donne ça. Tac. Parce qu'en fait, le faire en avant, c'est trop dangereux là. Si quelqu'un se rate, il peut se le prendre dans la tête. Donc, du coup, là, on part à l'envers. Donc, si vous le faites avec une batte, par exemple. Si vous le faites avec une batte, ben vous partez vraiment de la tête et vous faites le mouvement rapide à l'envers. Voilà. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'ici, on va donc inverser le plan. Donc on va aller sur la séquence. On va faire clic droit et là on va faire donc vitesse et durée. Donc une petite vitesse plus rapide si on veut. Et donc on va appuyer sur inverser le plan. Et là, on peut même se mettre à 90, on va dire. Non, plus rapide. 100, 120, par exemple. Donc on a un plan plus rapide. Bon, moi, il était bien comme je l'avais mis, mais voilà. Donc c'est pareil, ça encore, c'est subtil. Là, j'ai mis un écran noir, et là, après, donc il tombe. Voilà. Donc ça, c'est pareil, juste une petite partie où il tombe. C'est vraiment subtil et c'est vraiment rapide. Je vais mettre le plan rapide. Alors là, ici, le flou que j'ai mis, c'est parce qu'en fait, il est censé voir un peu dans les vapes. Voilà. Donc j'ai fait exprès de. Voilà, là, j'ai fait directement un plan flou avec mon optique. Je l'ai pas rajouté en post-prod. Donc c'est une vue de lui en voilà comme s'il était KO un peu. Quelques paroles autour d'un cocktail, et puis on fait direct à l'hôtel. Y'a Billie Jean, on est fucked up. On joue pas dans ta ligue de summer. Ton cœur va sur 808, on est fait pour ça.
Y'a pas de plan B. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des petites parties qu'on peut voir où on va entrecouper en cut, donc des parties où les gens ils jouent pas très bien, c'est normal vu que c'est pas des comédiens. Après, si vous avez des vrais comédiens, vaut mieux le faire en réel, voilà, donc ils se taperont vraiment, je pense, enfin, voilà, ils le feront vraiment. Mais en tout cas, vous pouvez toujours faire avec des personnes. Donc voilà, même si vous avez des gens qui ne sont pas super bons en jeu, ça va dépendre de comment on va le filmer, comment on va le penser à l'avance. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer une petite partie dynamique, et vous pouvez regarder les vidéos qui sont juste en dessous, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.